Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, j'allais oublier les sages, Messieurs les membres de la coordination et les sages. Monsieur le Excellence, Monsieur le Président, à l'entame de mon propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les salutations fraternelles du président de l'ANAD en déplacement, qui aurait tant souhaité être parmi nous aujourd'hui pour vous exprimer de vive voix le soutien de sa coalition et de leurs militants pour avoir fermé la porte de la douleur et ouvert celle de l'espérance pour le peuple de Guinée. En examinant le travail abattu depuis la prise du pouvoir, force est de reconnaître que les préoccupations que nous avions exprimées dans le mémo que l'ANAD vous a transmis ont été mises en chantier. Pour mémoire, il s'agit de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, des poursuites contre les auteurs et commanditaires de crimes de sang, à l'effet de garantir la justice et la réparation pour les victimes des violences d'État, des réformes permettant de garantir l'indépendance de la justice et l'efficacité de l'administration, de la réconciliation nationale et de la réconciliation nationale. Pour toutes ces raisons, nous réaffirmons une fois de plus notre confiance et notre soutien au CNRD. Monsieur le Président, l'une des missions essentielles de la transition est de se hâter pour mettre en place des institutions légitimes fondées à engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui mènent la société. C'est pourquoi nous sollicitons vivement la mise en place d'un cadre de dialogue permanent pour nous permettre d'échanger ensemble sur les grandes questions qui interpellent notre société, notamment le cadre législatif et réglementaire qui comprend, entre autres, la Constitution, le Code électoral, l'OGE et le chronogramme de la transition. De cette concertation seront définis les objectifs de nos préoccupations essentielles et leur mise en œuvre facilitée. Les affres du passé seront loin derrière nous et dans l'Union. La paix sera mise sous votre magistère. Pour terminer, je souhaite une bonne et heureuse année et plein succès au CNRD. Je vous remercie.